tous. Bandou. Bandou. Bon. Attendez, pas encore là. Écoutez ce bruit merveilleux. Ah, j'ai mal aux oreilles. Ah putain. Voilà, je suis là. C'est lent ou c'est à cause de Fraps? En tout cas, aussi. Mais en même temps, moi c'est un tout petit peu lent. Petite coupure. C'est vrai qu'elle est fat quand même. Cette voix est fat. Faut parler à ce mec là? Alors. Lui, il y a Jean. Et regardez. Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est notre coffre. Non, mais elle pleure. Non, mais elle est là, mais sans aucune raison scénaristique, tu vois, du coup. Regardez le pont comme il est dégueulasse. J'ai l'impression de parler à Mouf à ça, quoi. T'as vu le pont comme il est dégueulasse, Antoine? Allez, pour le bateau. Ah, il pue. Juste moi, faut qu'on m'explique comment les voitures tiennent. Normalement, faut qu'on m'explique aussi c'est pourquoi il y a des arbres dans les bâtiments, là, au fond. Ils ont mis deux images. Messieurs, apportez le carburant au bateau, récupérez le paquet de Moen dans sa planque secrète. Difficulté difficile, récompense, 9000 XP. Ça, ce sont des missions filler, filler. C'est vraiment parce qu'on fait des vidéos dessus, quoi. Sinon, putain. Parce qu'on a commencé à de l'esprit en fait dessus. C'est pas comme RCS, les jeux qu'on a commencé, finalement on a abandonné, tu vois. Ouais, on aurait dû le passer à RCS depuis le début. T'aurais dû inventer ce concept depuis longtemps, mon gars. Et en fait, la première vidéo date de quand? Est-ce que t'as regardé? La toute première. Toute première? Non, je sais pas. Attendez. On peut trouver un véhicule. Ah, je crois que t'allais regarder la vidéo. C'était là, genre, c'est pas le moment. J'aime bien Fidia, bon. Ouais, c'est dommage qu'il y ait que 20 balles. En plus, vous n'allez pas me dire que. Oui, les armes c'est rare, etc. Normalement. Vu l'endroit, il a à peine été pillé donc. Oh! Attends, j'essaye le mien. BAM! J'ai tranché! Il était marqué tranché! Mon gars, j'ai mis un coup de fusil à pompe dans la tête du mec. La tête, il a été décapité debout et tu vois qu'il marchait en frappant, tu vois. Ah, on l'ignore lui. On l'ignore? Ouais, non, faut pas déconner non plus. Ouais. D'accord. Des combats contre des zombies, il y en a tous les plays. Attends, on va chercher des Kellogg's pour Sébastien, mais... Attention! J'ai prévenu. Joli. Ça va, le rayon est pas si élevé que ça, j'ai rien eu. Non, c'est pas comme dans Tu Survives justement. Putain, on se fait poursuivre là, j'aime pas ça. Attends, je vais la calmer. De notre cross. Putain. Moi, regarde, lui, ah non, lui c'est un image, j'allais lui mettre une balle aussi. T'as failli mourir mon gars. C'est un civil. Mais t'es sérieux, va te faire enculer là, putain. Il s'appelait Chungli. Mais va te faire enculer, jeu de merde. Chungli? Qu'est-ce qu'il y a? Mais le chemin obligatoire. Y'a quoi devant nous? Vous allez voir. Oh non. Bonjour. Bon bah fusil à pompe. Hey, how you doing? Oh bah ça va. Finalement ça s'est bien passé. Ah oui, ok, on était en... On y allait aux pompes et tout, ouais. Non, à l'ulti. Tu fais quoi? Tu tapes combien à l'ulti toi? 1700. Ouais, 1700 par balle ça fait. Mon tour l'ulti. Oh mon gars! C'est quoi ça? C'était mon ulti, sauf que vu que j'ai des nouvelles perks, genre une larme de lancer touche deux ennemis à la fois, des trucs comme ça. J'ai lancé un couteau et j'ai tué tout le monde en fait. C'est dégueulasse. Faut monter? Chacun prend une boîte. Oh, ETL! Putain, mais le screamer fait exprès, c'est ridicule ça par contre. Qu'est-ce qu'un zombie attend là derrière une porte dans un conteneur en hauteur? Moi là je suis pas d'accord franchement. Ce n'est pas dans les conventions de Genève. Ta gueule. En plus, et t'es sérieux? Ah comme t'es tombé. Mais non mais c'est la porte qui m'a poussé. J'ai trop la haine. Et t'es poussé par une porte Bowen. Évidemment les coffres sont accrochetés je suppose, c'est ça? Ouais. Mais il faut que je remonte. Ah oui, il faut. Et il y a des femmes sur les posters. Oh, j'aime bien ça. J'ai déjà vu ça. Je sais plus. Putain, elle ressemble à Megan.
Même visage, je déconne pas, même visage. Deagle, Anton et Inaka. Bah faites-vous plaisir. Inaka et Deagle, moi je m'intéresse pas. Je déconne pas, putain, c'est le même visage. Bon bah écoutez, masturbez-vous. Inaka. Voilà. Bah, pas une question de se masturber. Non, mais je ferme la porte, pour ça que je me suis dit. Et capture d'écran, oh, voilà. La porte est rentrée dans le mur. Je cherche pas, c'est la magie du cinéma. Ça c'est un truc que j'aime bien dans Dead Island, un des seuls jeux. Non en fait j'ai rien dit, pardon. Pas un des seuls jeux. Comme beaucoup de jeux plutôt, du coup, parce que je vais te penser à CS, à d'autres jeux comme ça. Où les charnières vont dans les deux sens. Pour toutes les portes. Mmh. Ah oui, en effet. Même quand ça s'y prête pas. En général dans les trois quarts des jeux source hein, ça le fait aussi donc à ce niveau là. On aille là-bas. On doit aller où? On est sur quelle quête là actuellement? Mais la même. On n'a pas d'autres de quête de toute façon. Non, on n'en a pas d'autres. Si, il est bon, il est méchant. Les gars, de toute façon, on peut pas la suivre. Je sais pas pourquoi, c'est quoi cette mission, les bons et les méchants? On a jamais parlé d'une autre mission. Fusil à pompe, c'est pas. Enfin, je sais pas. Peut-être que sur un groupe d'ennemis, c'est plus efficace que sur des ennemis isolés. Moi, je sprint. Je sais même pas si ça fait des tirs dispersés, tu sais. Je pense que ça ne touche qu'une seule personne. Moi, je m'appelle Crane, je cours. Craignez mon courroux. Non, okay. Ah, parce que non, franchement, Dying Light pour moi c'est Dead Island en fait. Enfin, en mieux quand même, ok. Même si scénario c'est toujours de la merde, mais. Bah c'est la, la même interface, le même, enfin voilà quoi. Le problème c'est qu'ils ont fait Riptide, Dead Island Riptide, Dying Light, ils comptent faire aussi Dead Island 2. Donc ça va être quoi le principe. Ouais mais mon gars, tu joues pas du tout à Dying Light comme tu joues à ici, hein, mon gars. Crois-moi. Les chemins de merde à faire comme ça. Oui, non, mais c'est pas ça que je dis, mais c'est pour le. Allez, le gameplay, etc. Tu vois. Il y a un cowboy qui m'attaque, c'est ça. C'est sûr que voilà, la direction artistique se ressemble. C'est plus à ce niveau-là, alors ça se rejoindrait. Forcément, mais le gameplay, deux, non. Regarde, il est debout. Ah, j'ai vu. Ah, il commence à pleuvoir, c'est merveilleux. Il a déjà plu une fois dans le jeu. Je sais pas. Je me souviens plus. Ça m'a pas marqué en tout cas. Bon, les gars, un top, tu conduis. Je vais me faire enculer, c'est ça? Ah non, voilà. Allez, une petite bagnole, comme ça. En plus, il nous le conseillait de rentrer en voiture. Toi, dépêche! Il y a du bordel terrible. Oui, il nous le conseillait parce qu'en même temps, on avait deux jerrycans, donc. Traverser la ville en jerrycan. Comme moi, j'ai une super vue. T'as pas pris la meilleure route, Antoine, là? J'ai pris le GPS. En plus, dans une apocalypse zombie, ah, je pense qu'à mon avis, c'est très très prévu parce que, comme de par hasard, on a rien sur la route. Par une fontaine de zombies, mais. Et ça. Ok, c'est bon. Là, je pense que j'improvise un peu trop. Ouais, c'est derrière nous, hein. Ouais. Normal. De toute façon, il faut sortir là. Sors ici maintenant, en fait, là. Pourquoi? Mais on prend les jerrycans, on doit aller au bateau. C'est juste là. Bon, toi, protège Woon. Merde, ah oui, d'accord. Et il fait mauvais? Il a déjà fait mauvais comme ça, vraiment. Parfois, il pleuvait quand il faisait jour, mais il se faisait comme ça. C'est peut-être un script, hein. Ça ne m'étonnerait pas. Parce que ça ne me souvient pas, ça m'aurait marqué sinon, je pense. Ouais. Parce que. Oh, le ralenti sur le headshot! Parce que vu qu'il n'y a pas de cycle jour-nuit. Oui, c'est ça. Il y a déjà eu la nuit, en fait. Je pense pas. Jamais. Il paraît qu'à un moment on m'a dit que maintenant je ne pense pas. C'est qui voudrait dire que du coup l'aventure c'est tout ce qu'on a fait en 2 ans, ça se serait passé en une journée. Dis, imagine, c'est que ça veut dire que nous en 2 ans ce qu'on a fait, ça se serait passé tout en une seule journée en fait, tu vois. C'est vrai quand tu regardes, oh mon dieu. Brother, on est déjà brother, mon frère. Yeah, brother. Ah ouais, l'eau devient agitée, c'est un script. Ouais, bah ouais. Une mine. Putain, mais une mine. Mais d'où il y a des mines? Mais on voit la fin de l'histoire. Ça va falloir conduire le bateau, mais pour de vrai ou... Alors en fait, il faut savoir que les mines ont été posées parce qu'on sait que les zombies nagent. Donc ouais, bah ouais. Mais ils disent les mines ont été... Non mais même, tu veux isoler une île, tu mets pas des mines, enfin tu mets une croix. Un bateau militaire et tu te dis on tire des torpilles si vous venez, tu vois, n'importe quoi, mais pas des mines. Ça a pas de sens. La démocratie. Et on retourne au début. Sur l'île des... Ah, on est au garage. I don't want to harder.
C'est ici d'ailleurs. Et ouais. Des blagues qui m'ont fait rire. Ah ouais, juste. Ah, mais j'ai du champagne de marque. J'ai cru que j'allais tomber. Il est encore dans l'eau, putain, running guy. Mais non. Oui. Allez, moi aussi. Voilà, il fallait me noyer. Tu peux mourir ici, hein, quand même. Mais il y a des zombies qui nous ont déjà spot. Et tu baisses la tête, oui, tu peux te noyer. Tu sais, comme quand t'es petit. Ouais. Tu mets juste la tête dans l'eau. Alors que t'as pied, quoi. J'ai un réflexe depuis que je joue à Mortal Kombat, c'est que je charge mon coup, mais ça marche pas en fait. Et là. Ah, merde, je suis mort. Tu vas me mordre comment? Sans tête. Ah. D'ailleurs, toi qui aimes bien tout le chevalier, ça te plairait bien, je pense, Guillaume, Mountain Blade. Hein? Mountain Blade. C'est quoi, c'est une série, c'est un jeu? Non, c'est un jeu. Un jeu chevalier. Hein? En gros, tu contrôles une troupe. Ah! Mount and Blade, oui, d'accord, ok. Tu contrôles une troupe de soldats et toi t'es le capitaine. Là. C'est semi-RPG, semi-stratégie en fait. Ça, c'est cool. Et t'as des modes genre. Un mode qui est super bien fait, j'ai pas encore testé, mais j'ai vu des vidéos. Sur Seigneur des Anneaux. Oh. Donc à la place de chevaux ou quoi, bah, les orques ils ont des warcs à chevaucher, donc c'est comme ça. Ah, ça c'est cool. Et là pour le moment je joue sur le mode Game of Thrones, ah. Est-ce que quelqu'un peut... Pardon. Si quelqu'un peut me sauver, c'est vraiment preneur. Ah, j'ai pas de. Putain. Ah, de... Ah, toi il est parti, il est déjà mort. You are come to save the day. Mais toi tu fais quoi là-haut? Je l'ai tué en un coup de pied, quoi. Ah, et t'as respawn là-haut. Tous les deux. Guillaume et moi. Ouais, moi j'ai sauté, j'ai pris un gros coup de pied. J'avais foncé dessus, genre YOLO. Ah, c'est quoi? Prendre les barres. Ah, c'est les barres pour passer. Comme pour la piscine, tu vois, pour passer se noyer. Ah putain, mais ouais, c'est le. C'est... Ouais, en effet, t'as raison, c'est le même. C'est le garage, bah oui. Ouais, j'avais reconnu où on était. Par contre, est-ce que Guillaume, quand toi tu reviens, parce qu'il faut revenir, Guillaume, est-ce que tu vois le bateau apparaître au fur et à mesure? C'est quoi? Attends. Je prends ça, un kit de soin. Voilà. There's something else I need to do, alright? But I need to do it. Ah, elle doit mettre un tampon. Quoi? Elle doit mettre un tampon. T'es vraiment... Ah, bah, là où j'étais, je voyais même pas le bateau. Et on m'a même pas demandé mon avis pour revenir. Ah, c'est pour son père, là, non? I don't want to watch her. Ah, ouais, bah oui, il y a son père. Bah, il est encore là. Attendez, comment désamorcer une situation aussi tendue? Regarde, Talon d'Achille, elle va se faire mordre juste là. Non, le pont, il va se baisser. Elle va pas vouloir tuer son père. Elle va se la mettre la balle. Vise bien, gamine, vise bien. Et pourquoi nous on n'est pas là? Parce qu'elle voulait le faire toute seule. Elle voulait le faire toute seule. Ah, j'ai pas écouté. C'est pour ça que je disais qu'elle voulait se mettre en tampon quoi, mais en fait non. Ah, c'est pour ça qu'il fallait que je parte. Ah, putain, je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste ça. Sauf qu'il est déjà là. Screamer. Zombie. Eh oui. Ah non, c'est pas zombie. Ah, je suis complètement prêt. Ah si, il est zombie. Regarde pas la caméra. Putain, les yeux rouges et ah, tout. Ah, c'est un infecté, c'est pas un contaminé. Elle va pas le faire. Tu mens, si tu l'aimais vraiment, tu l'aurais pas tué, quelle connasse. Putain, elle, une balle, ça passe. Je veux son flingue. Et là, attends, moment tragique comme dans tous les films de zombies. Et là, tu vas entendre la petite chinoise. Et genre, t'as la photo là. La photo d'elle à ce moment-là, tu sais. Avec les mêmes vêtements et avec la même bretelle qui tombe. Ah oui. Là, il faudrait la musique d'American Beauty. Ah non, de Primavera, je la mettrai en description. C'est une super femme, voilà. Quoi? Ça va, cette connasse? Je peux avoir ton fusil. Ça passe quoi? Guy! Faut tourner au laboratoire, un truc comme ça, j'ai pas compris. Oh là! Il est tombé dans l'eau sans le bateau. Ouais, c'est le laboratoire, il faut tourner, ok. Ah, chapitre 15! 15 ans. Bah attendez, petite coupure pour vérifier le temps, parce que je sais pas du tout combien de temps on fait là. On a changé 3 fois de zone, donc... Putain, ouais. Il est minuit, les gars. Allez, on va voir les grands-parents de Naruto. Ouais. Bon. Ouais. On prend la voiture, on retourne au laboratoire. Salut, Mowen. Au revoir, Mowen. Tu sais que les bons et les méchants, on a même pas de détails, donc on pourrait même pas la faire, la mission pondère, de toute façon. Donc tant mieux. Oh, comme tu les as épargnés. Je tiens à mon paralyse. Y'a pas ni cet arbre. Y'a bon, on nous a rappelé pour aller. En gros, on est passé à la ville pour chasser des trucs de merde.
On est retourné. Même pas besoin de tirer dedans. On est retourné à la station balnéaire pour s'occuper du père de Jean et récupérer des barres, je sais pas pourquoi. Et là, on doit retourner au truc parce que c'est un truc super important. Pour pousser les mines, non? C'est pas en rapport avec les mines, les barres. Ah oui, c'est ça. Nice, merci d'avoir trouvé le truc. Bah, je suppose. Écoute. En fait, moi j'ai pas écouté donc. Bah, oui, mais c'est le seul mot que j'ai retenu. Mine, ah, les gars, mauvais signe, je crois. Bah oui, évidemment, il y a des zombies partout. Oh putain, mais non, mais allez quoi. Mais genre, on les. Ça fait une semaine qu'ils sont comme ça. Et nous, on part 2 heures. C'est déjà le bordel. Du coup, bah le remède, personne l'aura. Et du coup, ça justifie la suite de. De Dead Island. Par contre, l'électricité m'a fait plus mal que le zombie en fait. Putain, mais. Ah, sauvé Yerema. Yerema, elle est vivante, elle est vivante. Écoute, elle a tellement. Elle a tellement bugué qu'il faut qu'on. Il faut qu'on la sauve maintenant. Wow, wow, wow. Par contre, les mecs, on sait pas du tout qui c'est parce que les scientifiques, on les a pas vus. Hein. Elle a des bifs comme ça, non? Ah, mais scientifique, j'ai pas vu le roux encore. En fait, je veux dire, les scientifiques, elle avait aucun noir. Et puis aucun aussi mastoc. Calme-toi, connasse. Encore en cage? Mais elle est où? Et ils ont quoi avec les noirs dans ce jeu? Non, mais c'est elle qui s'est peut-être enfermée pour se protéger. Je pense. Ouais, parce qu'elle est sortie toute seule, là. Vous entendez le bordel dehors, là? Attends, il faut lui parler. My blood once. Then again, and again. Ah, attends. He wanted to bleed me dry. And when I asked him why, he was surprised. Ah, il était raciste. The savage can talk. Oh, putain, ok. But I ran away from my village to go to the city. To go to school, so I know a person can only have so much blood. Ah non, mais ça c'est. Locked myself in the cage to get away from him. Tu vois, c'est. When he tried to open it, using that computer. Il a ouvert toutes les cages et dont les zombies. Ah bah, quel con. Sauve la mienne. Jumped on him and tore him apart. I screamed, but no one came. Ce scénario de merde. Plot twist. J'ai appuyé sur delete. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais pas le faire. Hein. Faut chercher après le. Ça, c'est la voix du mec de la prison. Non, mais. Il a appuyé sur son ordinateur, tout s'est ouvert. Antidote. Ouais, tu vois. Alt F4. Mais... Là, il faut voir maintenant si l'antidote a été fait. Apparemment, oui, parce qu'il est marqué pour l'antidote. Attends, parce qu'il y a une deuxième partie au labo, donc. Antidote, je l'ai. Si vous allez dans la prison. Vous ne. Quoi? Vous ne pourrez plus, quoi? Retournez, ça vaut pas. Ah, mais c'est la fin! C'est la fin, donc n'appuyez pas, c'est ici et de coup, c'est la dernière. Est-ce que vous êtes prêt à quitter l'île avant? Bon, est-ce que. Est-ce que. Ce serait con de. Non, on va se faire la session ultime la prochaine fois quand on sera bien chaud. Parce que là, les tartines à Sébastien, on fait promener Papy dehors pour qu'il aille prendre l'air. C'est bon, je vais dormir. Parce que si dans la prison on nous dit. Eh les gars, j'ai laissé mon sneakers dans la cellule d'à côté. S'il te plaît, ça fait 10 minutes que je l'attends là, mon sneakers. Tu peux y aller? Et là, Kevin va dire: mais c'est pas loin, les gars, c'est qu'un sneakers. Et nous, on va dire oui. Et moi, demain, je bosse. Et donc, la session ultime, l'ultime session. La vraie, la véritable. Je crée le cliffhanger, tu vois. Donc on espère que vous aurez plus. Et du coup, il y a plus le magasin, fais chier. Ah non, t'as plus rien. Magasin est mort, donc. C'est vraiment pour te dire là, on espère que t'as rien à réparer parce que c'est vraiment la fin et tu as dans le cul parce qu'il y a plus rien. Ah non, on peut réparer. Ah non, c'est vrai. Attends, je vais le réparer alors. Et du coup, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Ouais, parce que là. Qui est un des derniers. On a donné du nôtre. Ouais, mais là, c'est un peu filler. Mais du coup, ce qui va arriver, ça va être épique de chez Epic. Donc ne loupez pas la suite. Parce que c'est la fin. Et on a l'antidote et tout. Et tout et tout. Et tout et tout. Bon, tous les gens qu'on connaît, à part Jean et Bob Marley, sont tous morts. Mais ça va. On sait pas si Namoy. Ouais, mais je veux dire, en résumé. C'est sûr, à ce niveau-là, ouais. On rencontre une communauté de gens et. Ils sont tous morts, tu vois. Donc voilà, les indigènes sont tous morts, les scientifiques sont tous morts, les mecs en ville sont tous morts. Donc voilà. En même temps, il y avait pas assez à manger. Voilà. Voilà. Allez, salut à tous. Salut. Salut tout le monde.